je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie, et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler, elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir, je l'aime mourir. Monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois, je l'aime mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, on n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Ne pars pas, ne te retourne pas, ne pars pas, je suis avec toi. Ici est ta nouvelle vie, maintenant si tu dis oui, hey, hey. C'est ma terre que tu as semée, c'est ma terre que tu as aimée. Ta nouvelle vie, maintenant si tu dis oui, yeah, 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 yeah. C'est ma terre que tu as semée, c'est ma terre que tu as aimée. Yeah.
Petite mon paroisse, hein? Ton corps c'est Bethléem, fais de moi le petit Jésus, cette nuit et celle d'après. Voyage de l'ensoyolo Paki.
natina wana nzambe azana apport munene na elevation na ye pona yango to kotika nyoso na maboko ya nzambe asali ya minene pona kobatela biso tolongwe musika mpenza ba mususu na ntele ba mususu na bakwa mususu ya mboka nzambe asali grâce sango ya mabe ezali te to sangani pona yango toyebaka komitika epai na nzambe po lokumu esengeli ezongela ye tosambela bokonzi nzambe tata bokasi bonso ozwa lokumu likolo mpese ezali ya yo tala mokolo mwalelo bongisi yango na ntina ete banso toyeba na kosangana esika oyo o na kopesa yo lokumu na mai malamu osaleli biso na botomboli moko ndeko na biso ya solo atako akoki kozala na mayele kasi yo opresedaki mpona kotombola ye na lolenge ya bonzambe na yo yango esalaki ete azwa botombwami ya lelo kokoma moko kati na ordre ya baavoka na mboka na biso tika lokumu ezala epai na yo na yango nzambe ebandi biso mayangani oyo tika ete kimia na yo eyebana koumela kati na biso ange na oyo ya mokolo mwalelo mwa dimanche bongo mikaël ayebana koasosie présence na ye na kati na biso o bolamu ya nzambe eyebana koumela mpe komonisa bilembo na yango molimo na nzambe ekita kati na bato banso baza na esika oyo na ntina ete apport na bango ezala mpona koagrémente mokolo mwalelo libongo mpe tolobi merci jésus christ Vu que la pluie nous a un peu dérangé, a perturbé un tout petit peu notre programme, sur ce, j'appelle notre frère Jean-René Mabouilo pour nous passer un petit discours à ce qui concerne la personne de Maître Jean-Pierre Manzolo. Et puis, par la suite, il va nous annoncer le contenu de cette soirée. Il nous dira pourquoi nous sommes réunis ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez tous bel et bien pourquoi nous sommes réunis ce soir. Il ne s'agit pas d'un événement quotidien, mais d'un événement extraordinaire, notamment la prestation de serment de notre enfant, de notre frère Jean-Pierre Manzolo, qui est maintenant inscrit à l'ordre des avocats du barreau de Kananga depuis le 10 mars dernier. Et donc c'est un événement grandiose et un événement d'une importance capitale. Je vous inviterai donc à applaudir pour ce monsieur extraordinaire. Le maître ou grand maître Jean-Pierre, mais je voulais déjà d'emblée vous signaler qu'il est très difficile de présenter ou de prétendre présenter avec exhaustivité un personnage comme celui de Jean-Pierre. Parce que en lui-même, c'est un monsieur pluriel. Et donc prétendre saisir ce qu'il est, ou prétendre dire réellement ce qu'il est, ne serait qu'une prétention. Permettez cette redondance. Mais je m'efforcerai, à la mesure du possible, de vous livrer l'essentiel de sa vie. Monsieur Jean-Pierre Manzolo, pour qui nous sommes réunis ce soir, est un Congolais. Donc la problématique de la nationalité ne peut pas se poser chez lui. Il est un Congolais à temps plein, né de M. Manzolo Monga Mopepe et de Maman Honorine Pangate. Maman est là, je demanderai qu'elle puisse se lever.
parce que depuis que moi je suis né, j'ai constaté que souvent dans des manifestations, on ne dit pas la date, l'année précise de naissance. Donc, je continue avec ce pas des danses. Il a étudié ici d'abord. Il a commencé ses études au Joël Lutin. Et puis, il est allé à l'internat à Kinzambi, où il a été formé. Il a décroché son diplôme d'état à l'Institut Kwetima de Ngiringiri. Et juste après, je voudrais d'abord, avant de continuer, vous dire une chose. Maître Jean-Pierre a une double dimension. La dimension physique et la dimension purement spirituelle. Je commencerai d'abord à vous faire l'économie de sa dimension physique et à vous donner des bribes d'informations sur sa dimension transcendantale. Donc, du point de vue de sa vie physique, de sa marche physique, il a étudié, diplômé d'État, et après ses études, il était allé au couvent. D'ailleurs, j'ai la fierté de vous informer que je suis contemporain à M. Jean-Pierre, parce que quand il était au couvent, c'est à la même époque que moi aussi j'étais au couvent. Donc c'est pour moi une fierté de partager cette contemporanéité avec Maître Jean-Pierre. Et c'est là où nous nous sommes fraternisés. C'est-à-dire pendant qu'on était à la marche vers le sacerdoce. Heureusement, Dieu nous a dit après qu'on serait fécond ailleurs que dans cette vie-là. Et donc, quand il est allé chez les Consolata, c'est une congrégation religieuse, il a obtenu une bourse qui lui a permis d'avoir deux inscriptions à l'ISPL, aujourd'hui UCCM, Université Chrétienne Cardinal Malula, ou ancienne Université Chrétienne Cardinal Malula, en même temps inscrit à l'UPEN. Donc c'était un étudiant à cheval entre ces deux institutions académiques. Et là, à l'ISPL, il faisait le commerce international et à l'UPEN, il faisait les sciences économiques. Deux titres. À la fin de son premier cycle en économie, un titre de graduat à l'ISPL et un autre à l'UPEN. Et après, il est allé dans une autre congrégation, comme il arrive à certains jeunes qui, de temps en temps, peuvent changer de congrégation. Il avait abandonné le prêtre Consolata. Il est allé chez les moines, au monastère chez les prémontrés. Il a trouvé une deuxième bourse, cette fois-là pour faire le droit. Nonobstant les titres qu'il avait déjà en économie, il est allé faire le droit
Et c'est depuis 2006 qu'il est 2016 pardon qu'il est licencié en droit de l'ISPL, une licence avec brio. Je vous assure que c'est un monsieur qui est brillant de première heure. Sa force scientifique a une fraîcheur de sortie de douche. Je pensais que vous allez applaudir. Je vous signale que à cause des formations qui dispensaient ça et là sur la dimension spirituelle que je vais tantôt aborder, l'État congolais a reconnu en son digne fils les potentialités qui méritent louange. C'est pour cela qu'il a été médaillé, décoré à l'ordre national des héros nationaux Patrice Emery Lumumba Musée Laurent Désiré Kabila. Donc, l'État l'a reconnu solennellement comme étant un monsieur extraordinaire ou un Congolais extraordinaire. Et je vous apprends qu'il est maintenant en deuxième licence économique à l'UPEN. Ne soyez pas surpris d'être de nouveau invité dans 3-4 mois pour assister à une fête de collation des grades académiques à l'occasion de sa licence en économie. D'ailleurs, à cause ou par l'intelligence qu'il a, il m'a soufflé à l'oreille qu'il pense continuer et faire d'autres études. Peut-être il peut faire l'aviation et devenir pilote. On ne sait jamais. Si tu lui dis d'aller étudier, il tombe malade. Mais lui, Jean-Pierre, a fait de la science sa vie. Donc, il est fondateur d'une grande ONG qui s'est planétarisée. Jésus, le grand alchimiste. Nous avons des représentants partout dans le monde qui font la fierté de cette grande ONG. En même temps, de déchirement de mystères. Ceci me permet directement de parler de sa vie spirituelle. Parce que nous savons bel et bien, peut-être nous tous, que maître, moi je l'appelle grand maître ou double maître, parce qu'il n'est pas que maître avocat, il est aussi maître spirituel. Il est avatar. Vous avez des androïdes, vous pouvez vérifier ce que signifie un avatar. Je vous assure que c'est un grand spirituel. J'étais tenté de dire que c'est un ange. Si vous me le permettez, j'étais tenté de le dire. Déjà, Jean-Pierre a connu une naissance miraculeuse.
Maman pourrait mieux témoigner. Mais je vous dis qu'il a connu une naissance miraculeuse. Il était décédé quand il est né. Et à l'âge, bon, de manière, permettez, prématuré. Et après, il y a eu résurrection. Pendant qu'on allait déjà faire les formalités d'embaumement, un tout petit enfant, habité par un ange ou des anges, ce qui est vrai, les anges aiment habiter dans de petits corps comme celui de maître et de moi. Nous qui avons de petits corps, les anges aiment des tels corps. Et c'était son cas. Les anges habitaient en lui. Et il a grandi comme ça. Déjà à l'âge de 2 ans, il pouvait faire des réminiscences, des ressouvenirs. À l'âge de 5 ans, il voyait déjà des anges. Il voyait aussi ceux qui étaient des démons. Heureusement, depuis que nous sommes là, il m'a dit que personne ne l'est. Il n'y a aucun démon ici. Sinon, s'il y avait un démon, il allait lui dire, tu es démon. Et puis, même quand il est allé à l'internat à Kinzambi, un jour, je vous raconte l'histoire, il cherchait des mangues quelque part et un ange lui est apparu et il a parlé à l'ange. L'ange lui a dit que monsieur, tu as une mission sur cette terre. Et il a intériorisé cela. Depuis l'internat, il enseignait la géologie à ses amis. Donc, Maître Avatar, Maître Jean-Pierre, est passé d'un enfant normal à un illuminé. Je dirais à un Bouddha. Parce que, peut-être pour votre information, Bouddha n'est pas le nom propre de quelqu'un. Bouddha signifie illuminé, quelqu'un qui est éclairé. En sanskrit, c'est Boudou qui signifie le fait d'être éclairé, illuminé. Et lui, c'est un illuminé, quelqu'un qui a une ouverture spirituelle lui permettant de lire la dimension cachée. Donc, il a continué à développer sa spiritualité et quand il cherchait à comprendre la quintessence et la quidité de la Bible et quand il s'est rendu compte que la Bible a été écrite par le juif, monsieur est allé à la rencontre de la science juive. C'est là où il a davantage développé sa spiritualité. Et il est docteur. Là, il ne s'agit plus du doctorat. Du doctorat, par exemple, en économie qu'il aura dans les prochaines années ou en droit. Mais docteur en angéologie. Il maîtrise la dimension spirituelle à fond. Il a été conseiller, orientateur de beaucoup de grands pasteurs de ce pays qui viennent apprendre chez lui jusqu'à aujourd'hui les secrets profonds de la Bible que lui décortique parce que c'est un spirituel.
C'est un ange qui habite parmi nous. Et moi, je suis content d'être son contemporain parce qu'un jour, on ne sait jamais, quand on parlera de lui après un siècle, peut-être je serai glissé dans ce livre-là, dans lequel on parlerait de lui. Donc, c'est ce qui a fait la grandeur de notre ami. Il a développé ses connaissances et c'est ce qui l'a poussé à fonder son école afin de ne pas garder sa connaissance de manière seulement ésotérique. Il a exotérisé le cachet ou bien il a rendu public ce qui n'était réservé qu'aux initiés. Et quand il en parle à la télé, moi qui ai toujours le temps de le suivre, les gens pensent que c'est un sorcier. C'est la limite de la connaissance qui nous font croire que quelqu'un est sorcier. C'est grâce à ce qu'il a. Et ce qu'il a ne s'explique pas. C'est pour cela que j'avais a priori plaidé coupable de mon incomplétude de parler exhaustivement de M. Jean-Pierre. Voilà de manière synthétique ce que je peux dire de Jean-Pierre. Merci. Ainsi, au nom de maître, double maître et ou grand maître Jean-Pierre Manzolo, je vous souhaite une très belle soirée. Ok. Thank you.
Thank you.
Merci à Inamao, directeur. Merci aussi à la chaîne Comolade. Bichu Anzila. Merci aussi à caméraman, à Bichu et à Boulene. Après, c'est les compositeurs. Nico. Merci à Nancy John Mino Boyette dans le groupe Makas. Merci. Libertaire aussi au Yéwe, Réal, au Yéwe, la Bonnioté. Il fallait présence, c'est ça la radio. Merci aussi à professeur assistant Jean René et à les politiques. On appelle un discours. Bonjour, vous allez aller maîtriser la langue à bord. Merci aussi à Gilles Ferrandi. Sans oublier les philosophes. Thank you.
là.